On s'en va directement dans le Languedoc, à Pic-Saint-Loup, en plein cœur, à 20 minutes au nord de Montpellier. C'est là que j'élabore Le Blanc Chartier 2013, Pays Doc IGP, indication géographique protégée. Mais en fin de compte, ce vin pourrait pratiquement porter l'appellation Pic-Saint-Loup. C'est tout simplement qu'il y a une partie dans l'élaboration qui n'est pas dans l'appellation, qui est juste à l'extrémité de l'appellation. J'élabore ce vin avec la famille Mézy, donc Roger et Frédéric, au Clos des Augustins, qui est un des secrets les mieux gardés du Languedoc. Vraiment une production de vin hors normes, en biodynamie, donc qui est vraiment qui prend l'empreinte du lieu géographique, qui se répercute dans les arômes et dans la structure des vins. Beaucoup de minéralité quand on travaille en biodynamie. C'est un vin, un assemblage de chardonnay et de grenache blanc, presque à part égale, 40-40. Et pour le reste, le 20%, Roussanne, Marsanne et Vermentino, qui sont des cépages du Midi de la France. Pour pouvoir exprimer ça à son mieux, le chardonnay et la rolle ont besoin d'être élevés en foudre. On ne l'a pas élevé en barrique, je ne veux pas un vin barriqué. Donc, ils sont fermentés et élevés dans des gros foudres de chêne, sur lit fine. Et tandis que le grenache blanc, comme c'est des vieilles vignes de 45 ans et plus, bien là, on fermente et on élève pendant 6 mois en barrique, dont une partie de barrique neuve, pas en totalité. Donc, après, on assemble tout ça. C'est comme un artiste peintre qui a des couleurs différentes. Tous les producteurs travaillent comme ça. Ce qui nous donne un blanc pour amateurs de rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un blanc qui est hyper parfumé, mais qui a beaucoup de matière en bouche. C'est le deuxième millésime, c'est le 2013. Le 2012 est arrivé au départ, il y a 2 ans. 2013 est plus riche. C'est pas qu'on voulait qu'il soit plus riche, c'est la nature. Alors, beaucoup plus riche avec une meilleure acidité. C'est sec, c'est plein. Ça nous donne le blanc chartier.